Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Senseiya Awakening. Vous le savez, on est mercredi et le mercredi matin, eh bien on découvre le patch note qui a été publié hier. Le frère Omak l'a déjà mis en ligne en vidéo comme d'habitude. Nous on le fait tous les mercredis matin, histoire de commencer la journée avant la mise à jour. Avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. C'est ce qui aide à la faire grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et on va attaquer, eh bien, le patch note de la mise à jour. Ce patch note plutôt intéressant. Il y a des petites choses à voir ensemble. Vous le savez, la semaine dernière, j'étais absolument pas fan du système de passe de combat de Senseiya Awakening. Il y avait pas mal de choses qui me plaisent pas, d'autres choses qui me plaisent heureusement dans le jeu. Eh bien, on va voir si cette semaine, il y a des choses intéressantes. La maintenance aura lieu du 1er septembre à 7h jusqu'à 11h. Ça, c'est en UTC plus 1, donc ce sera de 8h à midi, hein, vous le savez maintenant. Et sur la version SEA, ce sera de 7h à 15h, toujours une maintenance un petit peu plus longue. Les serveurs seront bien sûr hors ligne pendant cette petite période de maintenance. La mise à jour est la suivante. L'annonce de la bannière a été faite hier, vous le savez, c'est le retour du EX Alone. Alone, le deuxième EX du jeu qui revient. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une bannière piège. Elle sera disponible du 1er août au 8 août. C'est un personnage très très intéressant, très important, assez fort, il n'y a pas de souci là-dessus. Un très bon personnage. Sauf qu'on le sait, il y a l'Athéna Exclamation qui devrait pas tarder. Et on sait que le mois prochain, ce sera le Doko God Close. À vous de faire vos choix, mais pour moi, sortir le rerun d'Hadès maintenant, de Alone plutôt, maintenant, eh bien, c'est justement pour vous faire poule avant un gros portail. Ce qui me fait penser potentiellement, et très potentiellement, à la sortie de l'Athéna Exclamation la semaine prochaine. Je le sens comme ça. Je sens vraiment la bannière prank où on va te faire lâcher tes gemmes avant la semaine prochaine pour te forcer un petit peu à racheter des gemmes et à cash-play dans le jeu. Donc la bannière de Hadès qui revient jusqu'au 8. Et bien sûr, Hadès ne rejoindra pas le pool classique après cette bannière. Donc il aura un nouveau rerun d'Hadès avant qu'il rejoigne le pool, au moins un, voire peut-être même plus que ça. Ensuite, on aura un nouveau skin d'Hadès, chanson de l'été. Donc, on va plus se mentir, on le sait, tous les skins sont du cash-play. Ça, malheureusement, si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, vous aurez très peu de chances de l'avoir. Pour moi, ça sent l'event où vous mettez 4 ou 5 euros par jour jusqu'à la fin pour avoir le skin. Au cash-player, bah, bien souvent, ils les prennent. Maintenant, les petits cash-players, je suis pas sûr que ce soit le plus avantageux à prendre maintenant. Ensuite, on aura le tone UI mise à jour visuel. Donc, ils vont modifier un petit peu le visuel du jeu, je pense. Des nouveaux événements. Invasion de dimension du 1er septembre au 8 septembre. La liste des souhaits de chevaliers du 1er septembre au 8 septembre également. Donc ça, à voir comment ça va être tourné, ça peut être très intéressant. Du 1er septembre au 8 septembre, deuxième anniversaire. Double endurance du 1er septembre au 8 septembre également. Athéna Exclamation rejoint le Sacré Duel du 1er septembre au 20 septembre. Là, c'est ce qui pourrait faire un petit peu douter de ce que je pense depuis le départ. C'est-à-dire que pour moi, elle va rejoindre le jeu le 8 et le 20 septembre, ce n'est pas la semaine d'après, mais la semaine suivante, le lundi. Je reste persuadé que l'Athéna Exclamation arrivera le 8 septembre ou le 9 septembre, peu importe, voire potentiellement le 15, mais pour moi, je la vois vraiment arriver le 8 septembre. Cela est complètement possible que ce soit vrai, complètement faux. Je vous donne pas une info sûre, c'est vraiment mon ressenti. Mais en tout cas, vous savez, dans les 15 jours à venir, ça sent l'Athéna Exclamation. Ils vont pas attendre de l'enlever du Sacré Duel pour pouvoir la mettre. Donc elle ne sera pas là le 22, elle sera là le 8 ou le 15, sans aucun doute, en tout cas pour moi. Et pour moi, je mise vraiment sur le 8. Donc l'Athéna Exclamation, on va pouvoir la tester mine de rien en Sacré Duel, ça c'est toujours bon. Des fonctionnalités mises à jour, la Seal Tower, une nouvelle version de la Seal Tower sera disponible et l'ancienne entrée sera fermée. Les récompenses de classement de l'ancienne tour Seal seront émises en fonction des classements avant la mise à jour. Ok, nouvelle Seal Tower, on ira la découvrir in-game dans la semaine, je pense, tranquillement.
Et ensuite, quelques petites questions-réponses au nombre de 3, encore une fois cette semaine. Pourquoi n'y a-t-il pas d'événement de 5 médailles ce mois-ci? Et bah ça, c'est très intéressant. Ils auraient très bien pu faire le pass de combat et la 5 médailles. Certes, les cash players auraient dû cacher aux deux endroits s'ils auraient pris le pass de combat, mais ça laissait l'event accessible au free-to-play et je trouve que ça aurait été une bonne idée. Pour empêcher les joueurs accablants avec des events. Ça, c'est mytho. Ça, c'est complètement mytho. C'est tout simplement pour forcer au cash play. On va pas se mentir. Vous mettez une sainte médaille et vous mettez à côté le pass de combat. Beaucoup de petits cash players auraient été prendre la sainte médaille, mais n'auraient pas été prendre le pass de combat. C'est tout simplement essayer de forcer au pass de combat et de voir ce que ça donne. Encore une fois, on est là dans du joueur de pipeau professionnel. Ils auraient dû, pour moi aussi, mettre les deux. Comme ça, vous étiez un petit cash player, vous aviez la 5 médailles, c'était très bien. Vous vouliez cash un petit peu plus, avoir des récompenses certes plus intéressantes, mais réservées aux cash players un petit peu plus haut, entre guillemets, eh bien, vous auriez eu le choix. Et en donnant le choix, ils auraient très bien pu continuer comme ça et faire les choses. Et il n'y aurait pas eu justement tout ce... Tout ce petit cri et tout ce petit grincement de dents qu'il y avait autour du pass de combat. En tout cas, c'est mon avis. Ils vont la remettre à partir du 8 septembre. Donc, à voir comment ça va tourner. Est-ce qu'ils vont finalement mettre la sainte médaille et le pass de combat? Et que dans ce cas-là, bah, il n'y aura eu qu'une semaine un petit peu trouble. Et tant mieux si, au final, c'est peut-être aussi tout simplement d'avoir écouté la communauté, le grincement de dents, et de se dire, OK, on a fait une bêtise, on revient en arrière. Je trouve ça juste dommage de trouver une excuse bidon plutôt que de dire, voilà, on a entendu que vous la réclamiez, on la remet en même temps, etc. Et ça serait pour moi bien plus honnête et bien mieux passer que de faire genre, c'est pour éviter d'accabler les joueurs avec des events, il n'y avait rien in-game. On n'avait absolument rien in-game, donc voilà. En tout cas, elle va revenir. La communication, elle est à mettre à la poubelle, mais ça a toujours été le cas. Par contre, s'ils la remettent en même temps que le pass de combat, on en revient à quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus ouvert à toute la communauté. Donc je valide en tout cas le retour de la sainte médaille à partir du 8 septembre. Pourquoi n'y a-t-il pas de date de fin pour le Battle Pass? Le Battle Pass prendra fin le 30 septembre. Est-ce qu'il y en aura un autre derrière? Est-ce qu'ils vont le faire que ce mois-ci? Je n'en sais rien. Pour moi, c'est un Battle Pass mensuel, mais on le verra. Après, voilà, là, ça les empêche pas de mettre le Battle Pass jusqu'au 30 septembre et de mettre la sainte médaille à partir du 8. Donc, voilà, on en revient à ces deux questions-là. Je pense que c'est par rapport un petit peu à la grogne des joueurs plutôt qu'autre chose. Pouvez-vous ajouter des cosmos plus couramment utilisé pour renaître en bénédiction? Le prochain event de bénédiction de la Renaissance comprendra des cosmos plus anciens communément utilisés. Ok, il y a certains que ça peut intéresser d'aller chercher, je trouve ça plutôt cool. Voilà pour ce qui est eh bien, de la maintenance d'aujourd'hui, avec des bonnes choses, notamment le retour de la Sainte Médaille. En termes d'event à voir, il y a des petites choses qui ont l'air intéressantes. Le deuxième anniversaire, double endurance, ça peut être intéressant aussi. Pour farmer, attraper le retard. L'Athéna Exclamation en sacré duel, ça peut être très intéressant pour se faire une idée réelle, entre guillemets, du personnage, puisque vous le savez qu'en sacré duel, on n'a pas nos vrais personnages, mais une première approche du personnage, et peut-être changer d'avis. Le retour d'Hadès et son skin payant, bien sûr. Voilà, rien de dingo encore cette semaine, mais il y a des petites choses à faire, il y a des petites choses à voir, et c'est plutôt une bonne semaine, je trouve, en termes de contenu. Voilà pour ce qui est de cette mise à jour de Saint Seiya Awakening. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on va se retrouver très très vite pour des nouvelles vidéos et je vous rappelle que d'ici 8 jours, je reviens complètement, comme d'habitude, sur la chaîne. Rendez-vous également vendredi pour du Dokkan sur la Geek Night TV. Sur ce, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Ciao.